ندرج هذا النشاط الفني في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس البلدي لمدينة تزنيت وكذلك العهد الفرنسي بأكادير، وهو عبارة عن ماستر كلاس أو ورشة فنية لفائدة طلبة وتلاميذ المعهد الموسيقي الحاج بالعيد، واستفاد منه كذلك طاقم تربوي لمعهد الموسيقى. وأولا كنقدموا التشكرات الحارة لكل ما ساهم في نجاح هذا النشاط الفني. وقد أثر هذا النشاط الفني أو الماستر كلاس كل من الموسيقي أو العازفة على آلة الكمال فيرجيني جيزاك، وكذلك العازف على آلة البيانو زكري دياك. سيحزا بريب تلواح التوت زهدا غبودا نور لغلاقنا Je parle un peu en notre nom à nous deux pour le moment, mais moi j'ai passé un excellent moment aujourd'hui à Tiznit là pour cette masterclass, un moment de partage musical où on a mélangé un peu tous les styles, parce que nous on a pu jouer donc du Schumann, du Haydn, donc vraiment de la musique classique européenne, mais on a aussi invité les élèves à venir se produire, donc il y en a deux qui ont joué, c'était vraiment très très sympathique et courageux de leur part aussi, et les professeurs du conservatoire de Tiznit qui nous ont fait bénéficier d'un superbe concert de musique traditionnelle à Mazir. Donc du coup c'était vraiment une très belle rencontre, un très bel échange. Voilà, je ne sais pas ce que tu peux ajouter. Oui, ben oui, tout à fait, c'était vraiment très intéressant pour nous de venir ici, de découvrir le conservatoire de Tiznit. On connaît un peu les conservatoires en France et c'est très intéressant de voir les choses qui sont différentes, les choses qui sont pareilles, et c'est toujours un plaisir de voir les enfants qui viennent tous ensemble ici pour faire de la musique, pour apprendre, pour partager. Donc pour nous, j'en ai très heureux ici dans ce cadre avec les gens qui apprennent et qui partagent. Donc du coup on est ravis d'avoir fait ça et on espère pouvoir revenir un jour pour refaire, pour rejouer et pour écouter aussi, parce qu'on est là pour apprendre et pour découvrir. En fait, pour aujourd'hui, on avait surtout des élèves en première année, donc qui n'ont pas encore commencé d'instrument. Donc on a écouté deux personnes qui étaient, donc je sais plus, une pianiste en deuxième année, oui. Qui a joué, c'était très bien, c'était très intéressant, elle est douée, on voit qu'elle est très motivée et que vraiment elle a beaucoup d'amour pour la musique. Et puis un violoniste qui a joué une chanson d'Edith Piaf. Je ne sais pas si c'était pour nous, mais c'était très sympa. Et qui a joué très bien aussi. Il y a plein de... On sent l'influence orientale dans le jeu du violon classique. C'était très intéressant pour moi. Les coups d'archer, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un échange plus long pour que chacun puisse apprendre. Moi, j'ai plein de choses à apprendre ici en tant qu'altiste, violoniste. Parce que la musique arabe est très particulière à cet instrument et je ne sais pas jouer la musique arabe. J'aimerais beaucoup, ça fait des années que je me dis « Ah, j'aimerais bien avoir des outils instrumentaux ». Et du coup, ce serait très intéressant de pouvoir marier le classique avec du luth, du oud ou du chant, enfin arriver à mélanger comme ça, faire vraiment un projet musical mixte, ribeb, j'espère que je le prononce bien. C'est fascinant parce que ça se rapproche un petit peu du violon, parce qu'il y a cet archet, il y a cette corde qui est en jeu. Je ne sais même pas en quelle matière elle est, mais le son est vraiment très beau, je trouve. Il y a un son un peu sourd, mais très très, très beau. Et ça, j'aimerais bien pouvoir apprendre le ribeb. Ça, c'est vraiment
un très bel instrument, et avec la voix, ça se mariait d'une façon tout à fait magnifique. Je sais pas ce que oui, c'était très très beau, oui, le chant avec le ribeb, c'était très émouvant, très beau, oui. Ouais. J'ai ça, beaucoup aimé. La première fois que tu entendais ce jeu. Oui, la première fois, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé, vraiment.